Là, nous avons deux chefs d'entreprise avec nous qui sont bien connus sur Bordeaux, avec deux métiers complètement différents. Lionel, bonjour. Bonjour. Et Arnaud, bonjour. Bonjour. Pour la société Gant. Gant. Et tout le monde connaît Gant. Marc, vous allez nous en parler tout de suite. Alors justement, Gant, ça existe depuis combien de temps à Bordeaux ? Alors écoutez, Gant existe, j'irais déjà depuis une dizaine d'années, mais sous forme à une époque, c'était une franchise, voilà, qui était rue du Temple. Et à l'heure d'aujourd'hui, si vous voulez, maintenant, Gant s'est implanté comme intendant sur une très très belle boutique de 200 mètres carrés, si vous voulez, qui est magasin à succursale, donc qui appartient complètement au groupe. C'est une vieille, vieille maison, si vous voulez, qui a été créée en 1949, du côté de New Haven, une petite ville du paradis, dans le sud du Connecticut. Voilà, donc ça a été créé presque en même temps que Ralph Lauren à l'époque. Quelle est la particularité de Gant ? Si vous voulez, c'est une société qui fait beaucoup de mélange de couleurs, des chemises, des pantalons de couleurs. Voilà, style casual, très, très british. On vous voit souvent partenaire, même du golf, je crois aussi. Partenaire du golf aussi, on a été aussi partenaire de Primrose, dernièrement, si vous voulez, pour nous impliquer, si vous voulez, dans le milieu bordelais, et pour nous faire reconnaître. Vous portez d'ailleurs une chemise Gant. Complètement. Un pantalon Gant, couleur, effectivement. Et voilà, qui est comme notre marque de fabrique. D'accord. En ce moment, il y a plein d'événements, alors on va en parler très rapidement, tout le monde solde. Est-ce qu'il y a du monde dans les magasins ? Tout à fait. Effectivement, malgré cette belle chaleur, si vous voulez, on a beaucoup de monde dans nos magasins. Ouais. Voilà, donc très très belle réussite de nouveau. On va rappeler l'adresse. 31 cours de l'intendance. 31 cours de l'intendance, c'est un endroit de passage, on va dire, super. Un commerçant. Super. Tout à fait. Voilà. Super. Et puis si vous achetez pas, vous irez vous balader, ça vous fera du bien aussi. Voilà, même avec cette chaleur. Lionel, DigiOne, alors comment ça va être connu un peu DigiOne ? On entend parler partout. Et qu'est-ce qui fait DigiOne pour être si connu ? Bah, DigiOne, déjà, je m'y emploie énormément pour le faire connaître. Parce que déjà, voilà pourquoi on est aujourd'hui avec Gant, parce que la marque Gant. Et cliente de l'agence DigiOne. Nous sommes une agence basée, comme tu le sais très bien, ici à Allée de Tourny, juste à côté des Épicuriales, donc on les vit en direct. On a eu la joie et le bonheur de vous proposer à Bordeaux TV d'installer sa régie chez DigiOne. Et oui. Et c'est avec grand plaisir, c'est ça le coworking. Hein. DigiOne a démarré il y a peu de temps finalement et nous étions ensemble à la pépinière éco-créative de la mairie de Bordeaux. C'est toute une équipe d'entreprises là-bas qui bénéficie d'une énergie, en tout cas d'un réseau aussi. Et ça, c'est important de le signaler, puisque la pépinière entreprise, ça porte bien son eau. C'est pour faire pousser les entreprises et regarder comment on pousse vite. Exactement, parce que DigiOne aujourd'hui est installé à Allée de Tourny. Alors ça, c'est un petit peu le hasard, on voulait être centre-ville et on a eu de la chance de trouver ces locaux très pratiques ici, en plein centre, et c'est un grand bonheur, parce qu'on peut profiter de la joie et notamment des Épicuriales et tous ces événements-là. Mais sans tout ce qu'a fait la pépinière pour nous au départ, et la mairie et la ville de Bordeaux, on n'aurait peut-être pas grossi aussi vite, on n'aurait pas forcément eu les moyens techniques de le faire. Nous sommes une agence spécialisée dans tout ce qui est stratégie de communication des marques, notamment comme Gant et d'autres. Vous avez des marques de référence et prestigieuses ici à Bordeaux ? On a notamment une qui fait beaucoup parler à Bordeaux parce qu'elle est très 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 connue et c'est un monsieur immense. J'ai la joie de côtoyer. C'est monsieur Bernard Magret, effectivement, qui travaille avec l'agence DigiOne, enfin avec qui nous avons la chance de collaborer pour toute la communication numérique de la société Bernard Magret. Alors notre cœur de métier, c'est bien sûr la gestion de tout ce qui est, je dirais, stratégie et déploiement des campagnes de communication sur Internet et sur mobile. Et parce que nous appuyons toutes ces stratégies sur quelque chose que nous avons développé d'assez complexe, qui nous a demandé pas mal de temps en développement et en recherche, et qui permet aujourd'hui de visualiser et de cartographier les réseaux. Vous savez comme moi que Internet, le monde Internet et de la communication est totalement bouleversé, révolutionné par ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est pas moi qui vais apprendre aux gens ce que c'est que Facebook, Twitter, etc. Sauf que ce sont des échanges conversationnels qui se font au sujet des entités, des personnes, des marques, etc. Nous avons développé des systèmes qui nous permettent de visualiser l'organisation d'Internet, savoir comment on est positionné, comment on évolue, comment on échange, et surtout ce que les gens disent de vous et ce que les publics disent de vous. Donc on est capable effectivement de cartographier et de hiérarchiser toutes ces conversations, de les scanner et par rapport à ça, de maîtriser l'image d'une marque, l'image d'une personne, ce qui se dit. Et derrière, ça permet de déployer des stratégies justement de communication pour maîtriser ces images
ou pour tout simplement se faire connaître à bon escient en ayant connaissance de qui sont les cœurs de cible, les influenceurs, qui sont les personnes notoires qui parlent d'un secteur d'activité. Et par rapport à ça, ça donne une efficacité à la communication décuplée. DigiOne, c'est pas avec un G, c'est avec un J. C'est ça ? Oui, voilà. DigiOne, parce que DigiOne fait allusion à la table de mixage, parce qu'on mixe les différents canaux de communication. Et One, ça veut pas, c'est pas O-N-E, le chiffre 1, ouais. Même s'il est sous-entendu, ouais. Parce qu'on essaye d'être numéro 1. Mais surtout, One, c'est W-A-N, comme vous le voyez dans Wanadoo, ouais. Etc. C'est Wild Area Network. Ouais. C'est un peu tout ce qui est tissu numérique et réseau sur la planète. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.